Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu Banished saison 2. Alors, je vous avais essayé la dernière fois, et ben tout se passait très très bien, on était même remonté à 5-5 comme au début il y a 4 épisodes, et donc du coup je suis très très refait. Bon alors, j'ai quand même quelques problèmes au niveau des ressources, qui sont, on pourrait être gentil, on va dire qu'elles sont à la ramasse, voilà. Les ressources sont un peu à la ramasse. Du coup je sais pas trop par quoi commencer, étant donné que il me faudrait une carrière pour récolter de la pierre, mais ça nécessite du fer, mais il me faudrait du fer, donc pour ça il me faudrait une mine qui nécessite de la pierre. On fait quoi? Voilà, ça c'est la question, c'est comment qu'on fait? Et on le prend dans quel sens? Du coup ça y est, comment s'appelle, la Hunter Cabin est terminée, donc on va mettre un Hunter, c'est toujours bien, un chasseur. Un chasseur, ça change assez, des chasseurs fâchés, change son chien, je n'y arrive pas. Ah bon, bah je suis plus à 5 sur 5 en happiness, mais je suis à 4,5, ce qui est plus que correct. Qui mène très très bien. Du coup, c'est très bien là, avec de nouvelles maisons, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour presque 40, donc en fait ce qu'il faudrait c'est une maison pour 4. Une maison pour 4, c'est pas mal. Donc ça veut dire que toutes les 4 personnes, donc là à 54, puis après à 58, à 62, faut que j'arrive à diviser par 4 pour trouver le nombre entier de maisons. Voilà. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne idée. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Zut. Ça y est, moi voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il me faut de l'iron, que je n'ai point. Donc pour ça, ce qu'on va faire. Récolte. Collect stone. Il faut de la stone. Collect iron. Il faut de l'iron. Ah oui, j'ai que dalle en iron ici. Il y en a ici. Bon, alors, j'ai bien déblayé la zone ici. Ce qui est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que du coup, je me rends compte que j'ai pas tant de place que ça. Si je veux mettre des vergers, tout ça. Faudra que je passe par ici. Faudra que je me fasse un pont. Faudra que je me fasse une route qui fait passer par là. Déjà, on va faire une longue route. Faudra que je remplace cette dirt road d'ailleurs. Alors, où est-ce que ça s'arrête? Je sais pas où ça s'arrête, voilà. On va faire passer par là. Je pense que ici c'est plutôt une bonne idée. Pour accéder à l'autre côté. Faudrait que je fasse un pont. Donc pas tout de suite. Donc il me faudra que je commence par l'un des deux, que ce soit la pierre. Bah, en l'occurrence, il va falloir que je commence par la mine. Sauf que j'ai un problème, je n'ai plus de bois. Quelqu'un a du bois? Vous faites quoi? Vous la touchez là? Peut-être que je te mets à la cabine de Forester, ça serait plutôt bien. Sur 20, il y a pas mal de trucs à enlever. Ici ça a l'air de bien aller. La Hunting Cabin, qu'est-ce qu'elle produit? Oh, elle me produit de la venaison quand même. Elle m'a produit des trucs, elle m'a produit même beaucoup de trucs. Plus que ce que je pensais. Des tools, on arrive bientôt à la limite, ce qui est bien. Ah, un laboureur de plus. Un laboureur de plus. Ce qui veut dire que le farmer... Non, peut-être pas... Pas besoin de farmer, en fait. Un enfant est né. Nickel. Nous avons 10 jeunes pour 29 adultes. Ce qui est une très bonne nouvelle. Ah, je commence par ça. Je vais commencer par ça, mais ça va nécessiter un bon paquet de bois, quoi. Bon, ils vont amener la stone d'abord. C'est pour ça que les woodcutters, il faudrait que vous pétiez le feu. Ils vont amener la pierre, donc on n'aura pas de problème avec la pierre. Sauf que c'était pas la pierre qui m'inquiétait le plus.
Une fois qu'on aura ça, on pourra récolter du fer. Bon, au moins la pierre, ça allait vite. Pas de problème avec. Reste le bois qui reste quand même beaucoup plus compliqué. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. On va demander de récolter le bois. Voilà. Il y a quand même un peu de bois qui arrive, mais faut que je me méfie, hein, histoire que... Il faut quand même que le woodcutter ait de quoi travailler. Sinon, on aura un hiver un petit peu risqué. En plus d'être risqué. Ouhou, le jeu de mots. Alors... Je sais pas, est-ce que je peux passer par là? Je me tâte. Parce qu'il faudrait... Il faudrait que je fasse un tunnel pour passer de l'autre côté, déblayer. Ça me prendrait... Ça me permettrait de récupérer des ressources. Mais est-ce que le tunnel... 52. Ah! Il est pas très long, mais 52, c'est beaucoup. Allez, hop. Au pire, j'ai pas besoin de pierre. Là, tout de suite, j'ai franchement pas besoin de pierre. Il y a tout qui est arrivé, déjà. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai 3000 de nourriture. Ça continue d'augmenter, ce qui est bien. Oh, oh, le verger. Le verger donne quelque chose. Ça veut dire aussi qu'il va falloir que je fasse de nouveaux champs. Je pense que je ferai un champ par ici. Ou un champ par là. Ah ah. Je ferai un champ par ici. Là, ça va être plus des maisons. Faudrait que je fasse aussi... Oh la vache. Là, il y en a du fer. Faudrait aussi que je fasse une zone de forestière par là. Je pense que j'en ferai une autre par là, histoire d'être pratique. Je virerai les ressources ici, là. Et je mettrai des maisons, des trucs comme ça. Je ferai un deuxième centre, en fait. Parce qu'on n'aura jamais la place là où je suis pour avoir tout à proximité. Je ferai une sorte de deuxième ville par ici. Et de l'autre côté, d'ailleurs, le tunnel va pouvoir me faire permettre d'aller là. Ah, j'ai un peu mal au crâne, là. Je sais pas ce qui se passe. Mm-hmm. Que fait mon builder? Tu picking up resources. C'est pas le moment. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors toi, tu fais rien. C'est un choix que je n'apprécie pas, mais ok. Et qui font rien. Vous savez quoi, on a qu'à mettre ça en pause. De toute façon, on n'aura jamais assez de bois. Tu le mets en pause et tu vas me construire le tunnel. Histoire qu'on puisse aller récupérer le bois qui est de l'autre côté. Ah là là. C'est dur d'être le dieu d'une ville comme ça. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup à penser. Ce qu'il faudrait que je fasse, un truc que je n'ai pas fait dans la saison précédente, c'est un trading post. Sauf que je sais pas trop où le mettre en fait, parce que... C'est un peu bizarre de le foutre sur un lac. Donc j'aimerais plutôt le mettre de l'autre côté. Ici. Ici, ça pourrait être bien en fait. Un trading post, ce qui nous permettrait d'échanger des ressources, récupérer des moutons, des trucs comme ça. Pour pouvoir faire un pâturage. Un pâturage. Des pâturages, il faudrait les faire par là, des pâturages, ça pourrait être bien. Rah, qu'est-ce que ce jeu peut être reposant? Je trouve qu'il me repose. À la fois, il me permet de rester éveillé. En tout cas, il nécessite un peu de cerveau. Hein, on peut pas le faire à l'aveugle. Mais en même temps, il est reposant. Reserve of log is low. I know. Il est vraiment très très cool comme jeu. Est-ce que je mets les deux derniers farmers? Je vais mettre un farmer et je vais mettre un builder. Voilà. Comme ça, on aura un farmer pour le crop field et le verger. C'est bien.
Oula, la transhumance. Il est plus petit, mais il a des bois. C'est pas très logique. Alors, c'est vraiment un cerf mâle nain. Il est disparu ? Ah non, il est là. Ça récolte 4000 en nourriture, ce qui est génial. Ah mais je vais être bientôt full. Au niveau du storage, je vais bientôt être full. D'ailleurs, il faudra que je fasse un nouveau storage barn qui rentre pile poil ici. C'est bien. Tu vas pouvoir te mettre ici. Sachant que je ne peux pas utiliser mon bois, il va pas rentrer tout de suite en fait. Donc, okay, le tunnel est fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'on peut récolter tout ce qu'il y a de l'autre côté. YOLO! Peut-être pas tout de suite. On va faire ça morceau par morceau. Storage is near capacity. Effectivement, on est à 95%. Et je m'en félicite, en fait. Je m'en félicite parce que c'est mieux d'être... de plafonner que d'être au ras des pâquerettes, je trouve. Même si effectivement là on est complètement plein. Mais genre bien. Bien plein. Mais j'ai pas de bois d'avance. J'ai pas de bois d'avance. C'est ça qui me saoule. Il me faudrait du bois. Ramenez-moi du bois, il me faut du bois pour le... On est déjà en automne, il faudra du bois pour les maisons. Il me faudra du bois pour la mine. Ouais, 100% évidemment. Du coup, ils sont obligés de stocker ça à côté. Et la réserve de bois qui est low, mais c'est... Comment dire, c'est bête. C'est un peu bête. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est deux storage barns à côté, et le reste, ça va être du... Ça va être du... Comment ça s'appelle ? Du stockpile. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Ils pourront stocker autant qu'ils veulent. Oula, ça a un poil descendu de chaque côté, là. Il y a des soucis. Il y a des sushis. Voilà, c'est remonté. N'embêtez pas, hein. Je veux pas qu'il y ait de problème. Ah, ça y est, le bois remonte. Le bois remonte. Récoltez-moi tout ce bois. Je regarde un peu, mais en fait... c'est quand même assez plat, ce qui est bien. Bon, en même temps, j'ai choisi le modèle vallée. Mais j'ai pas franchement trop de problèmes de déplacement. Des routes, des ponts, ça suffit. Pas trop besoin de tunnel. Là, j'ai mis un tunnel parce que bon, c'est pour accéder à cette partie-là. Mais sinon, ça va. Hein. Ça va très bien. Alors, storage for goods is near capacity. I know. Ah, storage ban. Est-ce que je le fais maintenant? Là est la question. Je pourrais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant, comme ça au moins je pourrais plafonner un peu plus. Ce qui est toujours une bonne nouvelle. Ça va me prendre tout mon bois. Voilà, ça y est, ça a pris tout mon bois. Ou presque. Alors, j'espère que tout mon bois a été réellement utilisé pour ça. Non, il en manque. Il en manque, et la mine n'avance pas. Harvest tree, on va récupérer tous les arbres. Ensuite, il faudra construire ça. Ah, ça y est,
On va pouvoir commencer à construire. Ce qui me fait penser qu'on va juste pouvoir faire un stockpile à côté. Et le marché, en fait, on le mettra genre ici. Comme ça, on pourra mettre... Je crois que ça fonctionne comme ça. Hein. Je crois que ça sert en fait de marché central où, où les villageois peuvent récolter des biens. Et les biens... Et ensuite, on mettra des maisons autour. Je pense que ça marche comme ça. Enfin, j'espère que ça marche comme ça. Sinon, je l'ai dans l'os. Je vais peut-être me renseigner avant de le poser. Hein, parce que j'ai encore jamais posé. On va voir comment ça fonctionne. Surtout que c'est assez gros comme bâtiment. Ok, le storage barn, c'est bon. Donc là... On est nickel. Log is low, I know. On va pouvoir relancer ça. Pour le lancer. Allez, 39 sur 48. Allez, 48 sur 48, maintenant vous pouvez construire. Il restera ça, mais là il en faut 80 et on va attendre un peu, hein. Parce que 80, c'est beaucoup. Alors, je voulais regarder. Donc ça s'arrête. Que je me mette bien. Ça s'arrête s'il reste deux cases. Donc le stockpile a commencé à partir d'ici. 6 par 9, c'est pas énorme, mais bon. Ah, c'est plus grand que celui-là, quand même. Donc il y a un peu de place, voilà. Donc on a un deuxième stockpile qui est pas forcément très très bien placé, mais qui est bien. Ici, il faudrait que je mette un puits. Histoire de ne pas avoir de problème de feu. Parce que c'est un vieux réflexe que j'ai à cause de la série des anneaux. C'est le fait de foutre les bâtiments le plus serré possible pour gagner de la place. Évidemment, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut produire que du fer ou du charbon. Pas les deux en même temps, ce qui est... Dommage. Bon, alors, une mine. Allez bien. Il faudrait que je la lance. Il faudrait que je la lance. On va la lancer, comme ça on en aura toujours un peu d'iron. Étant donné qu'il en faut quand même pas mal pour la carrière. Ce qui est une bonne nouvelle. Alors ici, c'est 82. Voilà, ils sont en train de dispatcher un petit peu les différentes nourritures. Ce qui est une bonne nouvelle. On peut pas l'étendre le stockpile? Je vais pouvoir l'étendre. Je crois qu'on peut pas l'étendre, c'est malheureux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faudra que je pose des bâtiments qu'on n'a jamais posés, ça serait bien. Un enfant est né, c'est très très bien. Bon, alors là je vais peut-être avoir des petits problèmes de nourriture si ça continue. Il faudrait que je m'attaque à cette zone là, que je la rentabilise. Ici aussi, il faudrait que je récupère un petit peu ce qu'il y a ici. Un pick-up resources. Voilà, comme ça on en aura notre bois. Il faut que je rentabilise un peu la zone. Déjà dans l'idéal, il me faudrait un autre woodcutter. Parce que là ça va, mais une fois qu'on aura vraiment beaucoup de maisons, ça va être un peu plus galère. Je pourrais mettre des maisons ici. C'est une bonne idée. Il faudrait aussi que je mette de nouveaux bâtiments. Le puits. Le puits est tellement important en fait. Et maintenant que j'ai posé un des bâtiments qui nécessitait le plus de pierres, je vais pouvoir le poser. En plus ça prend pas énormément. On va faire un puits par là, c'est très bien. Voilà, le puits est ici. Il est bien. Il est bien là où il est. Je vais directement poser. Ah mais on dirait que ça passe. Ah si, ça passe quand même. Hop, attendez. Pas besoin de construire les trucs. Voilà. J'ai posé deux maisons en avance. Comme ça au moins on est sûr. On est sûr qu'on n'aura pas trop de problèmes d'emplacement. Il me faudrait, comme j'ai dit, un deuxième woodcutter. Oh la vache, ça passe tellement vite le temps. Quand je joue à ce jeu, il me faudrait un deuxième woodcutter. Il me faudrait
Il me faudrait un hôpital en fait. Il me faudrait un hôpital, ça va devenir urgent si on a un problème. Il faudrait un cimetière aussi parce qu'on va commencer à avoir nos premiers morts. Et sinon ça fait baisser clairement la joyeuseté, le bonheur, dirons-nous. Donc on a un laboureur supplémentaire qui va aller chez les chasseurs ou peut-être chez les builders en attendant. Il faudrait un gros cimetière. C'est dommage qu'on puisse pas faire des trucs un petit peu pas forcément très très droit. Un 16 par 8, je sais pas combien ça fait de tombe, mais ça peut être bien. Par contre on va le mettre en pause évidemment parce qu'on n'aura jamais assez de pierres étant donné qu'il me faut une carrière. Je suis un poil bloqué à ce niveau-là. Je suis un poil bloqué étant donné qu'il me faut à chaque fois plus de ressources que ce que j'en ai. Et évidemment, pour l'instant, je n'ai pas de production régulière de ces ressources. Sauf pour le bois, et encore, j'ai l'impression qu'il se tourne un peu les pouces en ce moment. Ce qui est totalement faux, en fait, quand je regarde les statistiques. Mais on se demande où passe tout ce qu'il récupère. Donc voilà. Oula, j'ai plein de laboureurs qui viennent de popper d'un coup. C'est le pop des laboureurs. Ça fait penser, attendez, juste pause, 35, on n'est pas encore à 35, allez, ça fait 43, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, encore 1 et on y sera pour lancer une nouvelle maison. Donc, 2 hunters, 1 mineur, et on est bien. On est bien. Iron is low, il parouse l'iron. Ah, il doit partir dans le blacksmith. Il doit partir dans le blacksmith. Donc, on va arrêter là, je pense, l'épisode, hein, parce qu'on a quand même pas mal avancé. On a quand même pas mal avancé. Pour l'instant, ça se passe bien. Juste un peu la pinesse qui a descendu, mais on est très très bien, en fait. On est très très bien. Je pars assez confiant pour l'instant. On est presque au quart de l'objectif. Bon, c'est le quart le plus simple, entre guillemets, parce que là, on lance la machine, et ensuite, il va falloir la tenir. On verra bien comment ça va se passer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien !